Pour le deuxième programme d'exercice pour les nouvelles mamans avec petit bébé, on vous propose de prendre bébé comme poids. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez prendre un chaudron ou un livre ou un sac de patates. On vous propose de faire un exercice trois fois avant de passer au prochain exercice avec des pauses de 10 secondes. Bon entraînement! On commence par un échauffement. Vous pouvez faire une minute de genoux, une minute de talons-fesses avec bébé dans les bras. Plus bébé est loin de vous, plus vous allez travailler votre posture et vos abdominaux. Plus il est collé et plus c'est facile. Le prochain exercice, vous pouvez le faire soit avec une charge, un chaudron, un sac à patates ou avec votre bébé, probablement moins rapide que sur notre vidéo. Pour cet exercice, assurez-vous que bébé soit confortable. Plus le bébé est vers le haut, plus c'est facile. Plus il est devant vous, plus ce sera exigeant pour maintenir une bonne posture, le dos au mur. Assurez-vous d'expirer, de gainer avant d'éloigner bébé. Si bébé n'est pas confortable, vous pouvez prendre votre sac de patates. Pour le prochain exercice, on veut travailler la planche. Expirez avant de descendre en planche. Assurez-vous qu'il n'y a pas de creux au niveau de votre bas du dos en engageant vos fessiers et en ramenant votre pubis vers le menton avant de vous installer en planche. Maintenant, on va travailler les fessiers et les ischio-jambiers. Vous pouvez asseoir bébé sur vous et à l'expiration, faites plancher pelvien, transverse et soulevez le bassin. Pour un peu plus d'intensité, vous pourriez, une fois rendu en haut, lever une jambe vers le plafond. Assurez-vous que votre bassin reste stable. On veut travailler nos biceps, mais on va vous placer en demi-chaise. Faites attention de garder une longueur au niveau de votre bas du dos. À l'expiration, vous gainez, vous ramenez bébé et vous lui donnez un bisou sur le front. Finalement, on sait que vous l'attendiez, on va vous faire faire des burpees. Pas besoin de faire de saut pour cet exercice-là et on vous évite les push-ups. Par contre, on veut voir une belle planche. Et vous pouvez venir chatouiller bébé à toutes les fois. Un petit mot pour vous dire merci pour votre soutien. Notre communauté nous tient très à cœur et on a vraiment hâte de vous revoir.